Hello guys, Nakamo, ici Karima et bienvenue sur Kanyurat. Vous avez vu le titre. Êtes-vous prête? Êtes-vous prêt pour l'intro? Are you ready? Roll the tape. Hello guys! Vlogmas 2021 Wedding Vibes, ok? Ce ne sera pas un Vlogmas où je vais publier tous les jours. Je l'ai fait l'année dernière. Si vous l'avez raté, dans la carte, allez voir. Franchement, une playlist à peur. J'ai adoré faire ça l'année dernière, même si c'est vraiment fatigant, compliqué, difficile et pas aussi gratifiant parce que c'était beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup d'efforts de filmer et de publier, d'éditer et de publier tous les jours. C'était vraiment compliqué. Et comme je venais de commencer aussi, ce n'était pas super gratifiant parce que tu avais 4 personnes qui regardaient ou 5 personnes qui regardaient par jour. Après, les gens rattrapaient éventuellement, mais... Donc voilà, donc la playlist sera là et franchement, je trouve que c'est toujours d'actualité. Si vous avez besoin d'inspiration coiffure pour les mariages, pour les fêtes de fin d'année, etc., allez-y dans la playlist, même en dehors de la fin d'année, genre des fêtes de fin d'année, communion, confirmation, c'est toujours d'actualité. C'est coiffure Jésus du toujours. D'ailleurs, vous allez voir ça dans ce truc que j'utilise toujours les mêmes coiffures. Je vais juste linker les vidéos qui correspondent aux coiffures que je suis en train de faire. Donc voilà, donc prenez votre temps si vraiment ça vous dit, allez voir la playlist de Vlogmas 2020. Donc Vlogmas 2021, on va pas poster tous les jours, on va poster 2 jours par semaine. Maintenant là, je pensais à mardi samedi ou mardi vendredi. Donc je vais mettre 2 commentaires épinglés en bas et vous aimez juste celui qui vous arrange le plus. Et je vais essayer de garder ce programme, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce qu'il y aura dans Wedding Vibes? Si vous avez bien regardé l'intro, il y a des DIY pour l'église, des DIY pour la réception. Donc des choses faciles à faire qui sont super jolies et que, voilà, c'est cheap aussi. Il y a la vidéo DIY, il y a la vidéo Niaoulou, où mon processus, à quel modèle j'avais pensé, quand je suis allée acheter mes tissus, quand je suis allée chez le tailleur que j'ai déposé, le résultat final et puis signé. Bref, tous les détails. Niaoulou, donc Niaoulou DIY, il y a les Get Ready With Us de la mairie et Get Ready With Us de l'église, d'accord? Où je montre tout, le truc final de outfits, de make-up, de hair, de nails, you know. Donc c'est dans le Get Ready With Us, il y en aura 2. Et les 2 dernières vidéos, parce que j'ai 2 fois par semaine, il reste 3 semaines, donc c'est le VGF. Donc le VGF, j'aurai 2 vidéos, une vidéo avec tout ce qui est DIY, d'accord, home et DIY, et une 2e vidéo avec tout ce qui est organisation, où on l'a fait, les différents jeux, etc., etc. Donc, on a eu un mariage privé. C'est pour ça que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu The 5C. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre sur Instagram, Karima Muriel, sur tous les réseaux, sur YouTube. Bref. Donc, c'était un mariage privé. Donc, ne vous attendez pas à voir l'ambiance du mariage, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. Franchement, by the way, une petite tangente. Personnellement, je n'ai jamais aimé ça et je ne l'ai jamais fait. Donc, ce serait bien d'un peu d'intimité. Je ne sais pas moi, un peu de... Je ne sais pas, parce que je ne comprends pas le fait qu'on n'aille pas à un mariage de quelqu'un, qu'on n'ait pas été invité ou qu'on ne soit pas allé à un mariage de quelqu'un, mais que sur les statuts, sur les stories, on puisse savoir tout ce qui s'est passé. D'accord? Ce serait bien d'attendre votre mariage pour faire, même appeler Télévision Nationale si vous voulez. Ou laisser la mariée, si la mariée est okay, bien sûr, je parle comme ça en général, parce qu'il y a certaines personnes qui font, qui a sorti ça, genre c'est à ton mariage, mais les gens ils divulguent les choses comme ça. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous encourage vraiment à le dire à vos proches, parce que si vous le dites aux gens, les gens ils vous aiment, ils vont coopérer. Voilà, parce que c'est un peu compliqué. Bref, on revient. Voilà, donc on avait un mariage privé, donc ce sera pas du tout genre le vlog du mariage, comment ça s'est passé, les détails, c'est pas ça. C'est des DIY, c'est des 5C, c'est comment je fais pour économiser du temps, parce que je suis ma propre glam team, quoi. Hair, make-up, nails, tout, c'est moi. Niaoulou, c'est pas du prêt-à-porter, donc comment truquer, machin, machin. Tout ça, tous les thèmes de la chaîne, voilà, c'est ça.
je parle trop. Je vais m'arrêter ici. Donc voilà, je vous laisse avec l'outro et on se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous. You're gonna like your life. Merci beaucoup. Bye. Oh, c'était tout pour la vidéo de moi, guys. Le banane. Le banane.